Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. L'actualité du jour, c'est Casino qui publie de très bons résultats pour le deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires enregistre une croissance organique de 5,3%. Il atteint 8,92 milliards d'euros, des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Grâce à sa performance, Casino bondit en bourse. Il a pris la tête de l'indice 120 aujourd'hui. Il gagnait 3,30% à la clôture. Les analystes de l'OPSA sont haussiers, visent des cibles à 37,80€ et 40,20€. On continue toujours dans l'actualité avec Technip FMC qui remporte un contrat avec le Brésilien Petrobras. C'est un contrat de 3 ans avec une option de renouvellement de 2 ans. Au cours de ce contrat, Technip FMC va accompagner les projets sous-marins du groupe brésilien. Les analystes de l'OPSA sont haussiers, visent des cibles à 27,65€ et 28,43€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Airbus. Graphiquement, le titre réalise de nouveaux plus hauts historiques après un rebond sur ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances le 9 juillet dernier. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, reste bien orienté dans sa zone d'achat entre 50 et 70%. Il continue de naviguer au sein d'un canal haussier installé depuis le mois de février 2018. Pour ce qui est des prévisions, on attend donc un prolongement du rebond avec pour objectif les cibles situées à 110 et 114 euros. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le warrant call D0-62T émis par Unicredit, un warrant call de prix d'exercice à 110 euros et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien évolue à la hausse au sein d'un canal de consolidation. Il reste quand même contenu par sa moyenne mobile à 50 séances autour des 5 450 points. La moyenne mobile à 20 séances, quant à elle, joue pour le moment un rôle de support. Le RSI, lui, continue de naviguer aux alentours de sa zone de neutralité des 50%. Il se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 9 jours. Côté prévision, on attend alors une poursuite de la tendance haussière, avec pour objectif les cibles situées à 5450 et 5546 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le warrant call 6932T émis par Unicredit, un warrant call de prix d'exercice à 5450 points et de maturité au 21 décembre 2018. À la Bourse de New York, c'était Marie-Jean Tric pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain.